Pour moi, vivre ici, ça représente beaucoup. Je suis enfant du village de plusieurs générations. Mes grands-parents ont vécu ici, mes parents ont vécu ici. Moi, du coup, j'ai vécu ici aussi. Peut-être par habitude ou question de confort, je pense. Parce que quand on a une famille qui est impliquée là, tes amis qui sont là, tout le monde est là à proximité. Quand on veut passer du bon temps, tout le monde est là, que ce soit dans les bons côtés ou les mauvais côtés, c'est important aussi que de le souligner. Après, ce qui me fait rester ici aussi, c'est le fait d'avoir tout à proximité. Étant à la campagne, on a quand même une gare à proximité, on a une école, on a des commerces, on a un supermarché, on a tout qui est ici, donc c'est vraiment bien. Après, ce qui est aussi au niveau professionnel, ce qui est agréable aussi, c'est qu'on se trouve aussi au milieu de Laon ou Reims où on arrive à travailler. Je pense qu'au niveau du chômage, il ne doit pas être plus important qu'autre part. Et ce qui est beau aussi, c'est être à la campagne. Ici, on a les bois, on a les forêts, celui-là qui aime aller les champignons, celui-là qui aime se balader. Celui-là qui aime jouer au foot avec des copains, il y a des clubs de foot, il y a des clubs de pêche, il y a des associations qui s'occupent de la pêche aussi. Il y a vraiment pas mal de choses et c'est, pour moi, c'est une chose qui est importante et ce qui me permet d'avoir des repères et d'avancer comme ça. En ayant les repères, j'ai pas besoin d'autre chose. Quoi. On se rend compte de plus en plus que les villages comme on est là deviennent des villages dortoirs car les gens se mélangent de moins en moins. On a de plus en plus, entre guillemets, je vais appeler ces personnes-là des étrangers alors que ce ne sont pas des étrangers, ils habitent dans le village, mais on ne les côtoie pas. Est-ce que c'est une question qu'ils ne veulent pas, ils veulent leur tranquillité et rester chez eux? Est-ce qu'ils ont leur groupe d'amis et ils veulent rester chez eux? Est-ce qu'ils ne sortent pas? Mais ça, c'est vraiment ce qui va tuer, je pense, à long terme, les petits villages comme les nôtres, c'est que les gens ne veulent plus profiter les uns les autres, passer du temps ensemble, que ce soit pour discuter, que ce soit pour d'autres trucs, mais histoire de converser, je trouve que ça, c'est super important. Et dans les villages comme les nôtres, il faut que les gens puissent se connaître pour pouvoir, d'un côté, se soutenir les uns les autres et pour pouvoir amener des choses, que ce soit construire les choses ensemble. Pour moi, c'est important que les gens se côtoient les uns les autres. Et ça, on en a de moins en moins dans les villages et c'est vraiment dommage. Pour moi, la communauté de communes de la Champagne-Picarde réalise de belles choses, que ce soit la piscine qu'ils ont réalisée à Sissonne, de beaux projets comme le Fétou qui a été fait à Saint-Herme, la MAM pour les enfants et tout, la bibliothèque qui est à Saint-Herme, qui est une très bonne chose aussi. Mais après, j'ai l'impression que c'est ciblé sur des grands villages. Et dans les petits villages qui se trouvent à côté, comme à Montaigu, parce que je suis originaire de Montaigu, donc je peux parler de ça, j'ai l'impression que la Champagne-Picarde, indirectement, ne s'implique pas et nous ne le voyons pas assez. Ils devraient faire aussi des manifestations dans ces villages-là pour justement recréer ces liens qu'on est en train de perdre et pouvoir redynamiser les villages et refaire, comme je viens de dire, les liens. C'est quelque chose que je regrette. À l'heure d'aujourd'hui, un village sans école, c'est un village mort. Et le problème, c'est plus on va aller dans le sens où plus les enfants iront dans le privé, après c'est le choix des parents ou c'est le niveau des professeurs qui ne donnent pas forcément envie. Il y a peut-être des questions à se poser là-dessus. Mais on perd de plus en plus, nous, d'enfants à l'école de Montaigu, qui va être amené, je le souhaite pas, mais à des fermetures de classe. Et ça devient vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Alors moi, je pense que la Champagne-Picarde peut amener beaucoup de choses, peut encore amener énormément de choses, que ce soit dans les communes ou tout quoi, mais venez voir les personnes, qu'on en parle, qu'on puisse créer des projets, des liens, et qu'on puisse refaire ce côté convivial de la campagne, et qu'on puisse relancer toute cette chose terne que je trouve où les gens se croisent moins, ne veulent plus se voir, et qu'on reparte sur de bonnes bases, quoi, en créant des animations ou autres.